Nous vivons un moment critique. Le monde a connu des calamités, tantôt sanitaires et économiques. Le monde campé. La Chine pas qu'à produire. Tout pays fermé en quarantaine. Ça a apporté un pile d'inquiétude, surtout pour les pays moins avancés. Et je dis, nous avons une opportunité pour nous faire des analyses en ce qui a trait avec l'économie et la politique internationale. Comment elle fonctionne, pour qui ça c'est comme ça. Et si toutefois la bagarre continue comme ça, c'est qui est-ce qui a sorti plus victime? Et qui posture que le chef d'État a supposé gagner pour faciliter la vie peuple? Nous, c'est une analyse, comme toujours, votre présentateur Julien Waldi, Ricanalyse pour la jeunesse haïtienne. Et n'a tout profité pour nous dire bonsoir, vous même qui suivez nous, tout internaute, tout fanatique malade Ricanalyse qui pas qu'à rater leur ça pour suivre devant petit écran yo Ricanalyse. Je dis à nous gain avec nous un poteau garçon que nous pas l'opportunité à voir visage li et à faire connaissance avec dans quelques secondes qui gagne une de formation qui vraiment critique et c'est un plaisir chaque fois à regarder sous plateau Ricanalyse. Moi que j'ai des haïtiens qui forment tête yo pour que yo capable faire des analyses critiques pour capable côté problème yo et porter connaissance pour ça on connaît pour aide société haïtienne pour yo ça nous t'a dit une rééducation de la jeunesse haïtienne parce que nous ka dit c'est un bagage que Haïti manque c'est question éducation qui sort supposé connaît qui ça qui doit qui ça qui obligation pour l'État qui ça qui obligation pour même tout qui citoyen ça on doit connaître. Sans pas perdre un peu de temps, nous présentons et invitons nous aujourd'hui, Sanel Charlotin. Bonsoir, mon ami. Bonsoir, Rick. Bonsoir pour tous les internautes, capitaine de l'émission. Et bon, sur l'honneur, vous m'avez capable de participer à la canalise, vous êtes capable de donner sous moi plus d'informations concernant problèmes politiques, économiques, problèmes de santé et tout, qui traverse le monde pour le moment ça. Donc, comme on dit, mon nom c'est Sanel Charlotin, j'ai une formation bachelier en sciences politiques et en sociologie, actuellement en français avec une maîtrise dans les relations internationales. Donc, bon, pour le moment, je pense plus pour nous avoir un café. Plus un doctorat peut-être dans politique, économie politique. Sanel, pour c'est un bel commencement. Et comme nous avons entendu Palmarès et invité à, et nous avons tout dit que à partir de jeudi, il y a une possibilité pour écrire nous sur page nous, qui c'est sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook et sur WhatsApp tout pour qu'à et participer dans l'émission parce que nous ouvrons pour ça pour même qui jeune qui t'a même posé des questions à nos invités ou a toujours une opportunité avant l'émission pour qu'on ait qui est-ce qui pourra l'inviter nous qui palmarès li et ou qu'avoir une question que t'a aimé moun ça répondre qui gain ligne avec formation et inviter nous tout de suite. Sanel, on a commencé avec première question nous et première question nous on li gain une tendance avec problème sanitaire qui c'est actualité moment. Et ou a vivicite ou qui j'en bagalaye, l'économie a pris frappe, et c'est inquiétude, c'est la peur, moun pa ka sorti. Et on a commencé, et première question comme ça. Concernant pandémie COVID-19, ça a bouleversé monde là, qui mezi chef d'État international yo ta doué pran pour confronter problème sanitaire dans société par yo, n'a parlé de société comme si chaque monde dans société par yo qui c'est pour un aspect et global et l'autre volet question bien c'est côté plusieurs monde déjà perdu la vie yo dans plusieurs pays dans monde là même là nous connaît grand pile côté c'est secret détaillé yo pas jamais vle bail et chiffre yo vraiment mais nous connaissons une pandémie qui t'a fait un pile ravage et qui impact li ka gagner dans économie pays ça yo à cause geta gen un paquet de travailleurs qui pas ka travail et un paquet d'industries qui geta fermé. Oui, c'est une belle question concernant fait la pandémie coronavirus là qui a bouleversé le monde là et puis
puis c'est vraiment l'économie, hein, comment que à cause de quarantaine, plusieurs pays prennent des engagements, comme c'est pour éviter plus agglomération dans chaque pays. Bon, comme bon, pour faire économie, il y a quelques pays, par exemple, qui ont un gouvernement de droiture, et ils prennent des mesures, puis penser à l'économie qui est à propre santé population, ça a une cause de plus augmentation maladie, ça, un virus, ça a vu pour plus de. Par exemple, on m'a rappelé, par exemple, au Brésil, qui a vu le gouvernement, pas de gens voulaient prendre une mesure côté pour être capable de faire mon entrée dans la quarantaine, c'est pour état. Le gouvernement de chaque État qui est obligé de prendre mesure ça, qui vient violer la loi, le gouvernement fédéral là, qui vient cause une critique polémique et politique tout. Et non, au Brésil, aux États-Unis, c'est la même chose. Nous avons Donald Trump, il a dit qu'il voulait, les militaires même dit que pour le peuple, il a retourné à nos commencements mois d'avril qui va entrer là. Donc, Kounia, il y a qui gens, en plus de pays aux États-Unis, parce qu'il y a 4000 personnes qui mourent. Ils ont vu une promesse, ils disent après la fin du mois d'avril, ils ont obligé de prendre. La question qui est une question d'affaires économiques, ce n'est pas un bon impact dans l'économie, ça qui commence à faire des analyses, réflexions. Côté, moi, je commence à penser, c'est. Est-ce que le système capitaliste lui-même est capable de gagner l'autre système? Parce que nous comprenons pas, c'est pour le bloquer pendant un mois, ou le capable de 2 mois tout, parce que depuis plusieurs entreprises, il ne peut pas tomber en faillite. D'après les données que nous faisons recherche, que la crise a commencé à gagner pendant 15 jours, ça, plus que la crise nous a gagné en 2008, la crise économique en 2008. Ça veut dire que, premièrement, nous avons plusieurs vies, presque 40 000 personnes dans le monde. À ce point calcul global, qui est en mourir. Pendant ce temps, il y a plusieurs personnes qui sont malades, il y a plusieurs personnes qui sont infectées, nous ne connaissons pas. C'est-à-dire qu'il y a un gros impact sur l'affaire économique. Ok, question qui posait, par exemple, le cas, par exemple, on prend partie Haïti, qui sont cas qui ont été plus vulnérables en comparaison à l'autre pays, qui ont avancé la technologie plus élevée. Et donc, nous avons un gouvernement que le système politique est capable de dire qui pense de façon humanitaire. Le problème qui est pas le problème qui est en Haïti depuis 2010, le problème de terre, nous avons plusieurs aides, même si Haïti a toujours été dans la même façon. Et donc, Haïti, nous-mêmes, nous servons nos politiques humanitaires quand c'est pour porter aide à nous, pour capable de dire que c'est où nos dominations. Quelle mesure vous pensez que Haïti est supposé prendre pour capable de confronter les maladies? Moi j'étais très content que le gouvernement ait pris mes écoutes, il était fermé frontière République Dominicaine, mais j'étais très critique tout parce qu'il était tout pays pas gagné vol avec Haïti pendant ce temps aux États-Unis, était gagné vol. Ça a dit nous toujours une politique domestique en Haïti qui cause par exemple un grand professeur dans limonade qui était prendre dit ça, bon c'est pour haïtien lié mais il était fait sortir aux États-Unis. A dit nous prenons par exemple haïtien aux États-Unis, par exemple combien d'américains ou bien étrangers sont aux États-Unis contre Haïti. A dit bon c'est si gouvernement est venu pour une mesure exactement pour le pays d'Haïti, c'est supposé pour une mesure pour tout le pays. Quand on quitte les États-Unis, quitte la République Dominicaine, on a dit pour une mesure pour capable contrôler les frontières, contrôler le pays. Donc, pour nous concerner, que j'aime voler que ce soit fait économie globale, je pense qu'il y a un impact vraiment élevé. Premièrement, pour les États-Unis, la France, c'est une bonne parole que Macron a parlé quand il a dit que nous sommes en guerre. La question est très scientifique, on a analysé, parce que qui est-ce qui est nous? Qu'est-ce qui est nous? Elle a dit que nous sommes en guerre. Est-ce que c'est la Chine, est-ce que nous connaissons qui est origine maladie en Chine? Ou bien c'est son guerre, comme si on a perdu plusieurs vies de monde? Comme si l'économie est un problème. Je pense que ça, c'est l'économie avec à faire face avec la maladie. Et bon, pendant la Chine, il y a une guerre commerciale entre les États-Unis avec la Chine. Donc, je pense que à cause de la crise, ça a capable de lever un gros
un gros avantage, je comme dit, pour la Chine face aux États-Unis, parce que les États-Unis sont réellement élevés. Bon. Son question qui est très fragile, nous pas capable d'analyser le consensus, nous n'avons pas gain assez de données parce que j'ai l'économie a bouleversé là. Nous pensons à un nouvel plan, même si on a fait des plans Marshall, les États-Unis ont fait comme si nous avons tombé l'économie. Comment? Quand on a comme des grands pays qui ont des réserves, côté pas financier, pour le prêter avec des impôts qui sont très élevés. Qu'on y a qui prend cause comme si ou même on était toujours des dettes qu'on a économie pays ça toujours élevé à dire penser va bon plan machin pour après crise ça. Et politologue et sociologue Sanel, nous vraiment d'accord avec critique côté par rapport à Haïti parce que nous même dans une analyse nous était premier monde qui était analysé et décision gouvernement haïtien là qui était prendre décision pour fermer frontière aérienne avec un paquet d'autres pays par contre les États-Unis non. Ça t'a montré yon dépendance totale parce que t'as obtenu une libération ou du moins consentement ou bien un consensus entre les dirigeants des États-Unis d'Amérique qui ont été décidés. En tout cas, je pense qu'on y a toute frontière fermée, nous prions bon Dieu pour que les maladies ça va faire trop de dégâts parce que nous n'avons pas de capacité pour nous venir à besoin de la société haïtienne. Tout de suite, sociologue et politologue Sanel n'a posé une deuxième question. Et comme vous déjà dans le domaine, vous connaissez qui ça la Chine représente dans l'économie mondiale. Là. Et d'après les dernières statistiques qui sont sorties, la Chine représente 30% dans l'économie mondiale. Là. Alors vous avez senti qui poids que l'économie chinoise a dans le marché international. Là. Alors, quand imaginez un impact comme ça, après que tout pays fait les portes, qui conséquence ça a gagné dans le monde capitaliste hein? Pour pays surtout qui besoin de d'œuvre pour travail et qui fonctionne à partir de l'argent. C'est l'argent qui priorise tout le bagage. Par exemple, pays côté de la vie, là, le Brésil, les États-Unis, Haïti, majorité pays dans le monde, là, ce sont des pays capitalistes. En partie de cette analyse, ça, est-ce qu'on a dit non, qui. Est-ce que selon vous-même, comme politicien et comme politologue, est-ce que et le monde a supposé passer à une autre forme de troc, notre cas dit, de changement qui n'est pas capitaliste? C'est vrai, bon. Donc, bon, le système capitaliste là, est tellement défouré, je vais utiliser le mot ça. Corps humain dans le sens de travail, que j'ai humain lui-même là-bas, toute force travail. Après, pendant la quarantaine, ça, que plusieurs mois dans le caillou, il y a des gens qui ont des dépressions, des gens qui sont stressés, ça cause parce qu'ils n'ont pas habitué à ce système qui est là pour reposer, parce que le système capitaliste fait comme si ils agité, ils toujours bouger pour chercher le travail, rentrer, sortir. Après, ils ont coupé, par exemple, ils n'ont pas même cas. Si mon libéral me guette en bourgeois avec petite lit, après guette tes parents qui ont réclamé parce que si mon autre désordre est passé, pas de guettant ça. Moi, je parle pour pays plus sentient, plus développé parce qu'en Haïti, à cause du chômage là, qui est très élevé, si mon bon relation familiale qui est très proche, comparaison au pays qui est bien, par exemple, et puis au Brésil, par exemple, parents qui ont des problèmes à cause de si mon qui n'a pas attrait. Pour m'expliquer, comment que système capitaliste lui-même il est agi, li naturalisé dans corps humain parce que c'est force travail et ça m'a prend max ensemble bon côté l'abdou comme ça lui-même économie lui-même qui fait le marché position lui-même les valeurs de position lui-même c'est force travail là et pour me démontrer camper ça pendant plusieurs mois camper économie en faiblesse c'est pas question de ce que monde n'a pas acheté bagaille question de valeur prix et comme marché en tout bas. C'est une question de force travail là qui campe. Il y a force travail là qui campe l'économie marché parce que c'est force travail là même qui produit, qui bat de production. Mais est-ce que c'est capable de penser que solidarité ça m'a pas combien de temps là durer, ça cap cause de penser dans l'autre forme comme si pour l'économie. Parce qu'on parle d'économie, il n'y a pas forcément façon de capitalisme. L'économie est capable de l'autre façon. Donc, bon. Pas tellement qui appuie le socialisme, comme si on l'autre qui oppose le capitalisme au système. Mais c'est même pour ça que l'autre moyen, par exemple, c'est. Je ne sais pas si un pays en Europe, mais c'est Norvège ou bien. Côté du grand système de politique qui relève ça, bien vivre. Bon, c'est un système politique.
politique économique qui sait bien vivre, comment côté que tout le monde a offert du travail, à l'aide de ça, chaque monde a pas habité bien par eux, et puis chaque. Mais comme il va privatiser comme gens, pays capitalistes sur fer. Par exemple, aux États-Unis, qui est ce monde qui est dans l'hôpital? Quand on est dans les États-Unis, après la majorité peuple américain lui-même, il n'y a pas accès à l'hôpital, c'est parce que il n'y a pas système comme genre nos pays Amérique latine, par exemple au Brésil, Brésil gain source que tout le monde avait, même si ça il y a un petit genre quoi, système là manqué de femmes. Voilà, c'est ce capitaliste lui-même qui fonctionne comme ça, et ça va me faire une très bonne critique d'affaire Elmian. Qu'est-ce qui Elmian, considère Elmian, il n'est pas seulement juriste. Il seulement le considérer comme si force travail à camper, parce qu'on force travail à camper lui provoquer économie en marché. Qu'on est là, nous en pensons qu'on y a une façon l'autre système comment que mon solidarité comment qu'on étaye lui-même pour le valoriser par exemple société à mon façon comme si ou qu'on pense économie en l'autre façon, parce que le parce que il vit ça lui-même, il montre l'autre image avec société à qu'il montre comme si ce fort. Quand il n'y a pas de travail, c'est laisser l'économie va marcher. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de travail, tout lui-même va manger. Par exemple, le président Brésil, Jair Bolsonaro, quand il a demandé pour tout le monde, parce qu'il pensait à l'économie. Il n'y a pas pensé avec ce problème de santé. C'est quoi le peuple là, avec le gouverneur, avec le maire, il a dit que non, ils vont prendre des mesures comme si pour garantir la santé. Et puis, son goma, il a pris parce que. Si moun yo ta arrive à le travail, ta plus choc pour l'économie. Je pense que c'est une économie politique anticyclique côté on pense une autre façon que comme si côté travail là les mêmes force travail ou même pour une politique mass syndicalisme, une politique mass plus on est capable de qui plus à faveur peuple devait à faveur secteur privé. Même on pense que après pandémie ça on pense à une autre forme économique politique bon on va mettre une baguette un système on pense à une autre façon que l'économie va commencer à questionner. D'accord, si mieux comprendre ça veut dire selon vous même t'as supposé qu'il y a des modifications dans Jean Louet et monde capitaliste là, mais ça va pas dire pour autant t'as supposé changer système capitaliste. Si le système capitaliste a mérité modéré, comme on va utiliser moral, les modérer comme si que la faveur majoritaire non pas minoritaire, par exemple. Mais ou d'accord que le système capitaliste c'est un système qui créé même pour moun qui gain capacité à gagner plus l'argent, parce que qui est-ce qui te pense ce système, c'est ça qui c'est qui est-ce qui gagne l'argent dans le système capitaliste en économie, c'est moun qui ca prêter, c'est banquier, c'est bourgeois, c'est moun qui gagne capital là. Capital ça va l'investir et sous capital ça il va prendre des taxes, c'est taxes qui va le faire. Or malheureux a pas de capacité même pour gagner un compte côté le cas mettre l'argent la banque pour gérer et crédit. Ça veut dire puisque ces monde ça sont minorité, c'est on 5 ou 6% monde dans monde là qui gagne toute richesse monde là dans même, alors ou gagne senti que pas de capacité moi même très négatif en ce sens pour ta gain yon changement dans le système capitaliste, parce que ou est ça clair dans une pandémie côté capturer en pile moun et tout parce que grand chef d'état yo qui ça demandé c'est tourner travail, parce que yo même ce sont des bailleurs de fonds, yo même yo gain des capital qui stocké qui yo te qui investi des millions n'acheter des biens qui ont besoin moun al vendre force de travail yo pour que rentre. Bon, ça nous pense que l'avenir dira le reste. A bien l'autre bagaille cap monde mettait en question système capitaliste là, parce que depuis 2008 il était posé système capitaliste était déjà en question à cause de crise 2008 là. Jodi encore à coronavirus nous encore à poser cette question, est-ce que c'est meilleur système nous ka gagner pour que nous fait commerce dans monde là. Et Sanel la partie pour troisième question, et troisième question la plus bien avec ligne de formation, nous connaît et le li palmarès ou étudier dans l'université et Amérique latine qui visait intégration Amérique latine là, qui sont université au Brésil ou université et ou étudier sciences politiques et sociologie, et nous connaît que ou bon ligne de formation qui était critique
ou toujours à défendre question de eurocentrisme, ou toujours à défendre question de dépendance des pays moins avancés. Est-ce que vous pensez que comment qu'a expliqué la politique interne du gouvernement haïtien avec la figure principale qui est le président Jovenel Moïse, comment qu'a expliqué politique Jovenel Moïse gain en dedans, ça fait pas dire l'état haïtien parce que Jovenel Moïse accapare tout pouvoir, non pas l'autre monde, toute bagaille que le t'es santé, c'est lui même qui fait déclaration, que le t'es sport, après c'est lui même encore, il était agriculture, après c'est lui même encore, c'est-à-dire on parlait de l'état Jovenel Moïse, l'état haïtien, comment penser politique interne monsieur Jovenel Moïse. Oui, question sont posées dans un livre vraiment intéressant. Premièrement, mon choix fait politique interne. Nous, en Haïti, le problème a fait intégration en Amérique latine et Caraïbes, qui c'est pays par nous. Donc. Bon, intégration, c'est toujours à pied. Et donc, nous sommes aujourd'hui, on m'applique contre le système occidental, là, la mesure occidentale là, avec pensée eurocentrique, là, qui gont géopolitique de connaissances, comme si c'est le produit, nous-mêmes, nous avons répondu à pensée après produit. Ça fait même si Marx est très critique, même pas tellement appuyé Marx, parce que lui-même, c'est même fruit modernité. Là. A dit me penser intégration j'en ai pensé fait là qu'il y a vinn gon petit genre de blocage qui gagne intégration en Amérique latine à cause de secteurs surtout pour bord droite là qui est extrêmement droite qui même li gon vision eurocentrique li gon vision américaniste dans ce monde américaniste sont ces États-Unis d'Amérique et donc c'est un problème qui nous gagne dans affaire intégration en Amérique latine là. Donc nous avons le Brésil par exemple qui était tellement élevé dans l'économie était tellement avancée donc sous gouvernement Lula et nous venons prendre sous Dilma une crise politique et économique on a un gouvernement ça lui-même qui vient plus focus lui sous les États-Unis après les Donald Trump font discours c'est même discours ça qu'a répété au Brésil a dit le Brésil pas considéré comme un pays d'Amérique latine. Donc, en Haïti, lui-même, il était toujours, il participait, seulement qu'il avait le gouvernement aujourd'hui, lui-même, il a le même gouvernement, même pensée américaine, tout, qu'il a pensé comme si, bah, pour exemple, le problème Maduro, qui est au Brésil, qui est au Venezuela, côté que lui-même, il votait contre. Il dit, pour m'expliquer, il dit, il a influence américaine qui c'est impérialisme même qui gagne influence en Amérique latine qui sont blocage qui sont obstacles pour l'intégration américaine. Cela me dit obstacle m'a dit que à intégration Amérique latine supposé appuyer politique Maduro. Non, ça me dit comme si Amérique latine supposé penser pour Amérique latine. T'es pas pensé cependant que bon politique Washington cap vu montrer comme si pour Amérique latine qui j'ai pensé pour créer des discours Pérou, par exemple Lima, tu as un discours comme si il y a des pays qui viennent voter contre le gouvernement Maduro. Par exemple, Haïti fait partie de pays qui fait contre, comme si le gouvernement Jovenel Sarkozy, Haïti c'est un pays qui est toujours approche Venezuela. Je parle des deux pays qui ont une relation en commun. Mais à cause du gouvernement, ça son gouvernement qui même pense que c'est titulaire américain, il pour moi voter contre comme si côté moins doux ça me veut montrer comme si américain comment il dominait il créer conflit en dans pays Amérique latine et Caraïbes. C'est un problème que Haïti qui gros problème en Haïti par exemple gouvernement je pour nous tourner dans question pour deuxième volet comme vous voulez question poser soit fait politique interne en Haïti. Jovenel Moïse m'pas je me dis il pas légitime il pas parce que le peuple a voté, je crois dans la démocratie, ma pire, c'est que le peuple a voté, nous supposons quitter le fait. Même si le combat, c'est un problème en Haïti, que je suis toujours contre. Parce que le gouvernement, pas jamais quitter le gouvernement, fait tant que ça crée une crise politique, la crise politique va créer une crise économique, qui cause malgré tout le chômage à nous aujourd'hui. C'est-à-dire, le concept que nous utilisons en Haïti, il ne faut pas aller, c'est un problème lié en Haïti. Qui cause que plusieurs haïtiens malheureux à migrer le pays, pas de formation, l'État vient tout qui cause
contre nous gagne Jovenel tout. C'est à cause voyer aller qui cause nous gagne Jovenel Matéli. Parce que nous gagne des nèg, nous gagne au pouvoir journée jodi qui pas gagne pensée politique ni économie. Et nous pas gagne monde qui pense pour économie pays. Nous pas gagne monde qui pense pour nous faire réservoir et qui gagne réserve économie. Comme si les bons une épidémie par exemple, donc une pandémie ça qui nous gagne là, Haïti nous gagne réserve pour nous combattre ça. Que j'ai notre pays gagne, qui politique publique et gouvernement journal va le faire pour le bail peuple là pendant le bal travail. Pendant ce temps, peuple va faire le travail. On a ces gens qui te connaissent, des ces gens qui là à l'étranger, te connaissent pas. Haïti nous vit avec la diaspora. Mais la diaspora en crise, la diaspora en quarantaine tout. Haïti par un gros échec. En Haïti, il y a plusieurs personnes qui ont mouru, il y a plusieurs maladies, il y a plus gagné dans le pays. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des analyses, des analyses qui ne sont pas tellement scientifiques. Comme en Haïti, c'est difficile parce qu'il y a du soleil, par exemple. Je n'ai pas de santé, je n'ai pas de idée sur ça. Seulement, je connais que il y a plusieurs personnes qui ont souffert à cause de l'économie parce qu'il y a un pays. Qui t'a pensé pour peuple. Bon, tout à fait d'accord avec vous et politologue Sanel, parce que et m'a suivi un homme de grande valeur que on pas qu'est haïtien, pas de l'importance l'était vivant qui c'est l'ancien président Laissé François Maniga et on a une interview était balé à Télémax en 96 côté la montre que le problème en Haïti c'est problème collectivité parce que politiciens ou pas penser à collectif là ou penser comme si à individuel là, comme si le moi-même et toute gloire pour le monde et poche pour lui-même encore, vous comprenez, c'est-à-dire collectivité qui c'est peuple là qui c'est majorité monde qui a nécessité yo. Normalement politique publique haïtienne yo pas penser et à yo. Malheureusement parce que Jean de Bagay ça aussi nous-mêmes comme jeunes qui ont opportunité pour nous qui j'ai un pays fonctionner qui j'ai politique publique fait qui j'ai bagay au fait qui pour changer genre de système ça. Exactement, parce que nous-mêmes c'est nous-mêmes que pour commencer penser parce qu'en Haïti il n'est pas un problème président que nous-mêmes toujours utiliser slogan ça les plans pour aller. Problème, nous avons un problème, président. Nous avons un problème politique en Haïti. Nous avons besoin d'une réforme politique. Comme si nous avons pensé pour le pays. Ce n'est pas seulement l'économie politique, les gens sociaux, tout, qui ont pensé pour le développement du pays. Et ça, nous avons besoin. Nous avons besoin, comme si nous avons un grand individu pour sauver le pays. Nous avons une collectivité. Nous avons une jeunesse qui était jeunesse en Haïti, qui était jeunesse qui était à l'étranger. Nous supposons commencer à penser pour Haïti parce que c'est nous-mêmes qui futur Haïti. Nous-mêmes, nous ne pas supposer abandonner le pays. C'est nous-mêmes qui pour un changement pays. Parce que Haïti a un problème président. C'est un problème politique lié, son problème économique, un problème social. Mais il y a un problème d'un individu. Nous supposons faire une réforme pour reconstruire Haïti. D'accord, pour dernier commentaire, on a tout de suite passé à la quatrième question. Nous, et pour aujourd'hui, et Sanel. Et est-ce que nous avons pensé à un changement sur le plan politique, économique et social, ou pour ne pas dire une conscience nationale après l'épidémie ça qui fait peur le monde entier? Donc, question ça a posé à l'infirmerie parce que je changeais que après le tremblement de terre, nous étions venus avec l'idée ça. Je changeais à faire conscience nationale là sous gouvernement matélien, le territoire vinavel côté avec tout président réuni et ça a pas marché hein. C'était les bases après nous très individualiste après un gouvernement sous le territoire Jean-Bertrand Aristide moi plus il va venir que tout bas le problème non pas quoi c'est à cause de pandémie ça qui parle cause de grande conscience parce que le monde était à faire bosser dans le monde à faire. Il n'est pas arrivé fait. Je pense que nous avons un problème dans l'éducation haïtienne. Nous supposons commencer à penser pour Haïti. Parce qu'en Haïti, nous avons un problème. Nous avons préparé les jeunes. Puis aller ailleurs. Je me changer les mêmes toi. Parler avec nous. Un petit type. Suivre, apprendre, faire manger, apprendre, passer, soit à l'étranger. Parce qu'il n'y a pas de bon vision pour moi en Haïti. Je pense que plusieurs jeunes qui passent avec elle. Et pas seulement, je prends un exemple sur moi.
Ça veut dire en Haïti, pour nous, on commence comme ça, on commence à penser pour Haïti. Et tout jeune, jeune qu'à l'étranger, on commence à penser pour Haïti. Ça veut dire, pour l'électeur, on va commencer à créer une réforme, commencer une éducation de tout le monde, Haïti, quoi que qu'on soit Haïti. Si on ne parle pas Haïti, on connaît Haïti, nous avons des problèmes, pas nous, des problèmes, tout ça. Mais si on parle que dans tout ce volet, on a Haïti, pas quoi, on a Haïti. Donc, je pense que ça va dire n'est pas facile, les plus. Les très politiques, tout, les très polémiques aussi, mais je pense que nous supposons commencer à conscientiser mon union par rapport à l'éducation. Bon, tout à fait d'accord avec vous, parce que je songe et dans le commencement de l'émission, sous bien rappelé, nous avons parlé de question de rééducation. Vous comprenez, la société haïtienne, nous supposons rééduquer. Et il n'y a pas de coutume nous avons à Haïti, nous avons dit que. Si moun de nou jou pa gen, kesyon le pal gen 18 mai, ou y a pon tro ti muzik sou le drapo, ou gon ti drapo, se toujou pou nou menm ki soti nan nou peyi a, ki se le kap ayisyen, le pal gen jan de dat sa, ou san tou ayisyen, ou pal vertier, ou kompren san djou le pral citadel, tout moun an bleu rouj, chak le kol gen prof fanfa pa, ou ka fè an defile, la polis a bal parad, kom si, waw, se vreman ekstraordinèr, je di, sa ou pa telman gen importans. Si 18 mai, 18 novem, pa pen zi valen, se pou de ayisyen vivan, à l'étranger. Vous comprenez, nous après un moment, ça a publié des photos sur la page Facebook yo, avec Dapo Haïti, avec Mao Haïti. Bon, deux jours, un jour, nous sentons Haïti à porter nos impasses côté nous avons censé dire et sortir à condition difficile. C'est pour ça que nous dit l'essentiel pour que Haïti survive ou bien pour que Haïti sorte dans l'impasse côté là, c'est rééducation, pas de l'autre moyen. Tout de suite, nous avons passé à la cinquième question. Nous, question, ça, sont question qui posait. Et économiste et Fednel Saint-Il qui a fait master dans une université dans le pays Brésil qui c'est un ancien camarade ici dans l'université côté on fait maîtrise ou même monsieur fait graduation ici hein? Et tout de suite monsieur connaît que vous sous plateau et monsieur dit oui pas de l'autre bagage s'il te plaît posez politologue Sanel question ça pour moi n'a plus question pour vous et science économique là prend indépendance à partir de 1776. Et spécifiquement avec publication un livre fondamental qui sont les parce que tout le monde qui dans li qui c'est la richesse des nations. Son livre fantastique, son livre bah j'aime suspendre li et Smith. qui vraiment belle de Adam Smith j'en dis là. Et bien depuis là ça tout état au pral mettait en pratique toute idée qui partageait dans Joseph Smith là. Li continue pour dire m'a parlé de libération économique et politique. N'a rappelé nous en AGAE, qui c'est histoire de l'économie, que Adam Smith parvient avec théorie économique et politique. Après toute évolution histoire, science économique là, eh bien, il y a un conflit sous ça qui concerne la politique économique dans le pays, dans le monde là. Là, on a parlé d'un système mondial, de l'économie mondiale. Il y a un pays qui prend l'État comme un instrument pour intervenir dans la politique là juste pour diagnostiquer toute analogie qui dans l'économie. Et bien 30 ans après l'économie mondiale là t'a gagné une autre figuration là-dedans qui concernait politique économique côté nous parler de néolibéralisme ou économique ultralibéral tout le monde gagne liberté pour commercer avec mon ouvrier sans gouvernement ou bien l'État pays ça pas intervenir dans genre de et marché ça. Question économiste et Fednel Saint-Il lancé phénomène ça ou catastrophe ça qui vini à cause de pandémie ça changer configuration politique économique monde là. Est-ce que on ka fait une analyse de nouvelles tendances ça d'une façon globale et comment on ka insérer Haïti non avantage comparatif marché global bon Fednel moi merci que question ça vous dire bon question vraiment remet ça fait vous remercier là et bon partenaire pam on est toujours en fait discussion nous avec politique économie et depuis l'internat faculté ensemble avec notre graduation donc nous c'est à faire une maîtrise dans nos pays argentinien, Bahia, Fednel, donc bon premièrement Fednel
pose une question brièvement historique de l'économie, de cette économie. Et après ça, il vient d'entrer dans la question de libéralisme et néolibéralisme. Donc, premièrement, en fait, science, économie politique, non sale, qui est en origine depuis en 1615 avec Antoine Montchrestien. Après, mais il était plus parlé sur l'économie, sur l'économie politique, mais seulement Adam Smith en 1776, il va faire une analyse sur affaire valeur de produit, valeur de travail, je m'excuse, et côté là, m'explique comme si que l'économie en charge par rapport au travail, par exemple, il parle de la division de travail, après ça, ils font analyse sur affaire physiocrate en France, que tu as parlé de l'affaire terre, des gens qui pensent que c'est la production de la terre qui va dans l'économie. Et à l'aide de travail, ça, la richesse de la nation, qui cause plusieurs économies, qui vient faire plusieurs travail, je ne veux dire qui vient banon néolibéral qui est dans la même ligne. Non. Mais le néolibéralisme, le libéralisme, pas de jambes en ligne de Adam Smith, il va paraître avec Jones Kessner, qui va en 1929, qui va venir avec question de intervention d'État dans l'économie, dans l'économie. Parce que c'est comme ça que l'État lui-même est supposé penser comment on peut produire, capable de créer plus d'emplois pour le peuple. Ça, c'est John Smith en 1929 qui va liberté tout aussi comme si pour l'État va le bon, en 1970, bon, c'est 30 ans ça que Fidel parlait, 30 ans de cela. Et côté, il y a la crise côté États-Unis avec le président Reagan. Il va venir avec question de avec privatisation que la privatisation que privatisation ça qui j'ai envie pour une dimension globale dans le sens que tout autre pays a venir entrer là-dedans qui vient créer ça relais néolibéralisme là. Il vient gagner avec banque FMI, banque mondiale, banque du commerce, tout ça il vient entrer non, façon ça le vin comme si côté secteur privé les mêmes les vin gagnon plus avantage côté pour le projet pour que l'économie capable plus marcher. Avec tendance ça que l'économie commence à marcher vient avec ça relé globalisation. Avec de globalisation, le libéralisme vient plus il gagne dynamisme comme il capable plus circuler capital là. Et côté plusieurs pays vient entrer là-dedans, plusieurs pays sud-américains par exemple vient entrer le pays comme si je viens gagner échelle économique. Donc mais ça c'est pas soit Adam Smith sinon Keynes qui vient avec néolibéral parce que aux États-Unis qu'on regarde avec néolibéraliste lui même vient plus vient prend échelle dans monde là dans monde global que ça vient les ultra libéral. Donc qu'on a la concernant affaire pandémie ça a bouleversé ce monde là. Je me sens que néolibéral sans libre coup. Dans quel sens? Par exemple, premièrement, ça a été fait. Premièrement, le libéralisme lui-même, l'État lui-même, qui ça le fait? Lui-même, il est là pour protéger seulement la population. Le secteur économique seulement, c'est les bourgeoisies, les grands, le secteur privé, les grands. Il vient comme si on est indépendant de l'État. L'État lui-même est là. Il protège. L'État vient créer un marque institutionnel. Que c'est next qui va venir avec David Harvey. Qui va venir avec. Qui font bel travail sur brefment historique. Sur le néolibéralisme. Qui va expliquer que l'État lui-même est là. Lui-même pour contrôler la population. Dans quel sens pour contrôler la population? Premièrement. Avec syndicats qui va créer contre devant le travail comment pour ça le minimum on va bien pour se tomber dans le travail là tout bail l'État lui-même lui contrôler les institutions dans quel sens comme si pour bandit pas craser le secteur privé magasin business tout bail
l'État a fonctionné face à ça. Après ça, question de business, bah, ça, oh, l'État m'a ouvert, c'est le secteur privé, okay, comme si l'économie vient détacher avec l'État. Donc c'est néolibéral, c'est comme ça fonctionne. Que j'ai envie de comprendre qu'il a créé un chèque pendant la pandémie. Ça. Pendant la pandémie, ça, c'est la population qui est affectée, premièrement. Je ne dis pas affecter l'économie, on affecte la population. L'État lui-même, il travaille lui-même, c'est préserver la population, c'est santé la population. C'est obligation de l'État. Elle est le intellect africain, Mbembe, qui s'est venu avec, qui critiquait Foucault, qui a parlé de biopolitique, qui a parlé de vie politique, il m'a venu avec, qui dit politique dans le sens de les tuer, bah, ça. C'est l'État lui-même, c'est le travail, ça le fait. Les biopolitiques, les nécropolitiques. Kounia lui-même, pendant la pandémie, ça a envahi le monde. Lui-même, si je me dis que le néolibéralisme lui prend coup, dans quel sens? Parce que l'État lui-même, pour préserver la population, ça le fait, il ferme les frontières. Depuis qu'il ferme les frontières, c'est la circulation néolibéraliste qui commence en danger. En jeu. Il commence à fermer les frontières. Il fait mon à la caillou reposer pas cadavre pour qu'on y a là à l'inarrière nous camper et secteur économique lui-même n'est pas capable d'entrer. Puis pas pour prendre avion que l'inarrière que nous connaît Brésil c'est latin plusieurs mon y voit la caillou parce que pas capable pas de travail ou voit la caillou pas de vol qui gagne en Europe tout gagne l'autre américain là et tout prend coup. Le secteur privé lui-même commence à prendre coup. Les libéralistes n'ont pas compris qui gens pour circuler dans le secteur ça, dans le système de globalisation. Là, par exemple, la question Haïti lui-même, qui gens Haïti fait face à la question ça. Premièrement, avec collègue nous Fegnel, avec Internet YouTube en compagnie, d'après l'analyse, les néolibéralistes n'ont pas de gros impact sur Haïti. Je pense que c'était plus un impact impérialisme que néolibéralisme. Dans quel sens? Pour que les réalistes aient des secteurs privés qui peuvent investir dans le pays en Haïti, comme si côté population jeune travail, tout bagaille, que l'État lui-même là va assurer bien-être social, tout bagaille ça. En Haïti, on va dire comme ça. En Haïti, nous avons un système impérialiste côté il a créé des dons pour nous. Des FN qui ont prêté tout le temps les bons problèmes, Haïti toujours payé des dettes, qui n'est pas une dette de développement, comme c'est terrestre, c'est pas une dette de développement. Même si nous connaissons qu'en Haïti, à cause de corruption qui a gagné, des aides, tout le monde, et ils ont fait va-et-vient avec un centre de aides. Mais ça, je vous explique. Je n'ai pas senti que tu es un néolibéraliste qui t'a frappé tellement en Haïti. Ça, mon sous le président Préval, il a une vision côté de battre pour ouvrir le marché. Maintenant, il fait même bagarre avec Haïti, happen for business, dans ce sens pour le capable ouvert. Mais ça m'a déjà impacté. Nous prenons cette côté de touristes qui étaient là-bas en Haïti, son secteur qui privatisé, il pas même. Il privatisé, il était privatisé pour le secteur. Économie en Haïti, il est privatisé pour le secteur économique étranger. Haïti, il est un petit côté, un petit parti économique qui n'est pas même entré, même un petit graisse en disant qu'est-ce que l'État. Même si tu es capable de payer local là, par combien qui j'ai fonctionné, tout le monde. C'est mon âme de doux, comme si néolibéral, je le fais en République Dominicaine. Des grands hôtels, des grands magasins, c'est pour Espagnol, Américain, tout le monde. En Haïti, non. Donc, qu'on y a là qui j'ai Haïti pour faire face avec pandémie ça. Haïti n'est pas jam non, n'est pas jam non concept. Comme c'est l'idée toujours suivre impérialisme, ça a toujours fonctionné en Haïti. Dans quel sens? Par exemple, Haïti vient des problèmes pandémie ça, son crise humanitaire liée, pas toujours des aide humanitaire. Moi que USAID a Haïti boutique. Je ne sais pas si le problème à Haïti, c'est le problème de Bokit. Le problème de santé à Bande pour laver même. Ce n'est pas le problème de Bokit lié. Haïti me suspecte comme si pas j'aime de néolibéralisme. Pour ça, pas j'aime de Gombote. Haïti, ma critique est libéralisme dans le pays qui développe, dans quel sens? Parce que libéralisme lui-même, il tellement dévoré la population, dans le sens. La population pas j'aime de qui n'était capable de dire possibilité de santé.
li force moun nan manje d'yon fason très rapide, li vin avec yon manje le fast food, McDonald's, kon si moun nan manje le pas jamais kri, moun yon vin immunité, a di maladie lèl pour li vin avon rapide. C'est même échec néolibéralisme qui a fonctionné là. Mon Haïti, mon doux, pas que ça va bien faire. Haïti, c'est même impérialisme qui a fonctionné. Libéralisme qui a fonctionné dans un pays sous-développé. C'est-à-dire, comment le pays sous-développé va fonctionner? Je suspecte que le libéralisme prend coup dans un pays qui est développé, un pays sous-développé qui a avancé. Parce que les commerçants, les gens qui ont campé. Ça va me dire que dans une première question, une question antérieure, je pense que c'est une autre façon pour aller. Oui, économie, on par contre, c'est Chine, parce que vous avez une commerciale, qui est pandémie, pas oublier une commerciale avec les États-Unis. Si c'est Chine qui va entrer dans un système économique qui j'aime pas le faire, ou bien aux États-Unis qui va entrer, mais avec plan, machallah, ou bien si son plan, chinois, pas qu'on mais après, de leur façon, qui va créer, même penser néolibéraliste, l'antigen, très critère, comme très. Notre question actuellement là, le tien pour le coup, penser les libéraux, ça n'a pas tellement factualité, par exemple. Bon. 10 ans après. Bon, j'espère que l'économiste Fidel Sept-Îles satisfait à la réponse politologue et sociologue et Sanel Charlotin. Et je pense que j'aime te dire dans le commencement de l'émission, hein, c'est une opportunité nous-mêmes, internautes, recanaliser gain. Donc, à vous, questions sur inbox nous. Et j'aime recanaliser sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Et nous avons WhatsApp nous, ou contacter nous sur n'importe quoi. Vous avez questions. Et puis nous-mêmes, nous poser pour vous à professionnels qui a gain plus de capacité. Bon, dernière question pour nous finir. Politologue et sociologue. Sanel Charlotin, et son question qui est personnelle, nous avons toujours aimé poser là parce que tout invité que nous avons sur le plateau de l'analyse. Et nous connaissons que vous formez tout dans le milieu social qui c'est la politique et la sociologie, et actuellement il y a un master en relations internationales. Est-ce que vous êtes tout comme un monde qui prend le tourner et des communauté côte sotia qui c'est ou bien pays côte sotia qui c'est Haïti, pour ne pas dire pour une plus spécifique dans question, est-ce qu'on est un comme monde qui pourrait entrer dans scène politique haïtien dans ta cabane vidéo là? Bon, c'est le cas fou comme on commence pas à arriver dit ça, donc tout penser pour Kafou parce que nous zone qui dans sorte que la circulation des provinces pour aller pour les provinces. Je pense que depuis petit, après j'ai toujours un problème de blocage tout de même. Je pense que c'est façon pour me faire, pour me ranger, pour me porter un changement pour la zone ça, et pas seulement pour la zone pour Haïti, c'est entrer dans la politique. C'est une raison qui cause moi très m'étudier la science politique. Mais après, quand je commence à et se comprendre ça politique là, comment se comprendre, nous voyons que les gens n'est pas seulement entrer sous béton, être politique qui va changer le pays. Nous voyons ça. Nous voyons penser si nous créons des jeunes, des analystes, qui sont politiques, qui sont économiques, qui sont sociologues, qui que vous pensez en Haïti, que n'a pas écrit, n'a pas tout basé. Bon, penser ça, c'est une nouvelle qui a été le pays. Nous bon. Par contre, si ça arrivait, on l'est, nous j'ai un avantage, ça, que l'on parle des avantages, que c'est le peuple même qui m'a dit que pour me entrer dans la politique, bon, je suis arrivé à faire ça. Mais pour le moment, je n'ai pas une vision ça. Ah bon, une question anti-jean, aller, mais venir, comprendre. Et si je bien comprendre, si Internet m'a bien compris, nous guettons son futur politicien qui est là. Parce que dans le commencement, le politologue l'a dit, si on a raison de faire mal étudier les sciences politiques, si on a raison qui va étudier la sociologie, parce que c'est deux bagailles qui allaient ensemble. Donc, la politicien et le sociologue, ça parle de comprendre la société et des stratégies politiques, tout ça. Mais après, elle dit, bon, n'a pas formé des jeunes pour être politicien, pour être sociologue, pour être économiste. Yo même tout pour aider. Et si, tenez bien, oui, et notre mot. Et si on t'a demandé pour moi, ça veut dire, moi même dit, Waldi Julien dit, et mon cas pour mettre comment c'est préparé, il parle de gros poteau et garçon quand même qui parle pour maire de Kafou, puisque là il parlait de Kafou premièrement,
et après le carré tête temps qu'on l'autre bagage dit fit dans les temps à venir n'a bien Sanel Charlotte Maestat Cafou et c'est un peu belle bagage bon comme il dit pourquoi on a moi même dit il canalise il et là laisse arriver n'a repasser émission ça même s'il 10 ans après pour dire te dire en tout cas. C'est un grand plaisir pour te voir avec nous sur plateau et canaliste et Sanel Charlotin. Et je pense que nous avons bien possibilité pour nous analyser quelques bagages ensemble, pour nous parler, dialoguer ensemble sur ce qui a avec et politique et mondiale et surtout politique haïtienne, qui est le pays côté nous que nous ne pouvons pas quitter le DR. Nous profitons d'un grand merci à tout internaute qui nous a prêté notre petit temps pour que nous te suivions sur plateau et canaliste avec nous. Politologue et sociologue et Chanel et Charlotin actuellement qui a fait un master en relations internationales et parce que tout Haïti connaît le nom de diplomatie, vous comprenez? Et avec vous, c'est toujours votre ami n'équipe pas jamais fatigué à Julien Woldy, présentateur Week Analyse. C'est un plaisir pour me avoir n'a rencontrer la semaine prochaine. Moi-même nous toutes. Ciao.